Après avoir réglé les dernières formalités administratives, Alexandre Benalla peut sortir de prison. Heureux et soulagé, et je remercie mon avocate Jacqueline Lafont qui s'est battue jusqu'au bout. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée. Une décision légitime pour sa défense. Il n'a rien à faire en prison, et chacun le sait, et dans une autre affaire, pour des faits identiques, le sursis n'aurait jamais été révoqué. Vincent Kraz, lui, a quitté la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy aux alentours de 21h. La cour d'appel a donc entendu les arguments des avocats des deux hommes. Ils contestaient notamment la véracité des enregistrements de Mediapart, où on les entend discuter alors que leur contrôle judiciaire le leur interdit. L'avocate d'Alexandre Benalla a notamment plaidé le fait que les enregistrements clandestins de Mediapart font actuellement l'objet d'analyses techniques de la police pour vérifier leur authenticité. Autre point avancé, les preuves matérielles déjà portées au dossier. C'est-à-dire les nombreuses photos et vidéos des événements du 1er mai. Donc il n'y a pas lieu de craindre une quelconque altération de l'instruction, des preuves, de l'enquête. Tout est déjà figé par les images et les témoignages qui ont déjà été recueillis. Les mesures du contrôle judiciaire ont repris leurs effets dès hier soir. Les deux hommes ont donc toujours interdiction de se parler.